Non, salut tout le monde, nous espérons en forme et nous venons ensemble avec un dossier football qui a fait actualité dans le moment là, c'est dossier Super League là, qui est dirigeant en Espagne principalement, Florentino Pérez, dans le jour qui était dimanche pour ouvrir lundi, côté monsieur a été officialisé une nouvelle compétition. Et pour capable concurrencer Ligue des Champions et Super League après nouvelle ça en pile bouleversement dans le monde footballistique là dans le monde footballistique là en pile monde parler en pile déclaration faite mais je dis à là et en pile bagaille commencer à aller Florentino Pérez dans émission et l'équipe dans émission El Chiringuito en Espagne. Côté Messia, t'es en pile détail sur et vraiment et dossier si là. Côté Messia, t'es parlé football là, l'estimé ces derniers temps, en pile jeune pas, focus sur football moi qui parlait dans la télévision. En pile détail, côté Messia, t'as bail et de manière à ce que vous le argumenter, décision le prend. Eh bien, Jodia et gagné 6 clubs anglais. Et yo même qui vraiment dit adieu avec la compétition si là. Première équipe qui est même désertée et Manchester City yo même qui yo même pas dans compétition encore Raheem Sterling qui lui même pas d'accord ensemble avec la décision si là qui était en campé et pour contre décision si là gain Kevin De Bruyne tout qui était parlé contre décision si là et en plus joueur Manchester City Pep Guardiola également et qui était fait abstinence pendant hier. Mais je dis à la Messi à lui-même lui camper le point position idéale li, et yo retire tête yo officiellement dans compétition et après yo même gagné équipe Chelsea à Thomas Tuchel qui était reçu refusé par les hier dans micro la presse un bien Chelsea lui-même lui retire colle Tottenham également et Arsenal Manchester United et Liverpool toute équipe ça yo même yo retire tête yo officiellement dans compétition. Gagné yon vraiment information qui t'a fait quoi que c'est moyen et l'UEFA bail messieurs pour que yo et retire tête yon cob qui supérieur pour que yo ka retire tête dans compétition cob que yo pas offri ensemble avec club espagnol yo estimé qui c'est Judas le nom dit Judas c'est ennemi juré et l'UEFA ou bien la FIFA. Nous connaissons le football là, Florentino Pérez, il était simple, il y a un président et il y a un club. Mais le football là, il y a un monde qui a dirigé lui. Et l'on parlait de FIFA, c'est instance mondiale là, instance concernée. Et bien, je dis au congrès, côté où tu es réuni pour que tu fait aux réunions d'ouverture pour nouvelle année là. Et bien, il y a vraiment secrétaire et vraiment l'IFA lui-même qui parlait. Il dit que tout club qui vraiment. Et promoteur mouvement ça tout club qui c'est vraiment agent ou bien nous t'es capable de dire vraiment qui t'es formulé Super League ça yo doit pas participer dans compétition et y aurait les Ligue des Champions. Ligue des Champions nous connaît équipe Real Madrid l'a engagé dans demi-finale ça veut dire son bagage qui bouleversé là jusqu'à maintenant beaucoup gain rien qui dit pour vraiment équipe Real Madrid là mais Florentino Pérez tout dans émission qu'il a participé. Il était ferme, il dit que bagaille jouer pas mal dans sélection sous participer dans première ligue dans Super League là, c'est menti. Il dit pas gain sa pièce et il dit que yon joueur et yon et vraiment équipe qui participer dans Super League là l'a toujours aller dans Ligue des Champions. Ça selon Florentino Pérez, mais dirigeant l'UEFA et FIFA eux-mêmes, ils ont parlé et gain Gianni Infantino, mais c'est ça qui c'est président ou bien instance concernée a, lui-même lui parlait tout, il dit que les désaccords ou bien le désapprouvé et compétition si là en savoir planifier Super League là. Il dit que lui est vraiment désapprouvé et compétition si là et il dit que faut football là, faut monsieur respecter football et football là, faut respecter histoire football là selon Gianni Infantino. C'est comme ça Messi a parlé. Après toute bagaille ça yo et n'a demandé est-ce que et vraiment Florentino Pérez là toujours kembe asso
avec vraiment gros poteau moun sa yo l'on parle de vraiment FIFA et l'UEFA c'est des moun qui concernés dans football là même si Florentino Pérez a concerné tout mais l'on parle de FIFA ou parler de vraiment l'UEFA c'est un autre bagaille et Florentino Pérez jusqu'à maintenant gagne équipe FC Barcelone Joan Laporta qui t'a embrassé dossier ensemble avec Idea nous t'es capable de dire avec un pile que en pile bravo et t'as semblé selon des informations et gagné deux clubs yo Atlético Madrid et FC Barcelone qui yo même en pas et prend décision là pour yo nan ki mezi yo capable nan nou nan prochaine heure k'ap vini yo là yo capable faire désister et c'est comme ça bagay yo ye mais Gérard Piqué n'a pas le de Gérard Piqué qui toujours a défendre religion catalogue là Gérard Piqué après et club anglais au fin annoncé officiellement yo pas participer dans compétition encore Gérard Piqué qui lui-même tweeté vraiment sous compte et vraiment et Instagram ni ou bien sous Twitter lui dit que et vraiment football pas jouer sans fan football c'est fan d'abord qui fait football là et n'a bien Steven Angera et mais c'est ça qui t'ai parlé tout gain David Beckham mais c'est ça qui lui-même propriétaire yon club et non MLS là lui parler lui dit que football là c'est vraiment fan yo qui fait football et depuis pas gain fan pas gain football mais intervention ça le fait a nous gain en plus gain quelques joueurs équipe Real Madrid là au même qui vraiment like ou bien qui baille et comment qui baille approbation mais pas oublier dans dossier ça qui a passé là dans football là ça veut dire gain de monde par le fait qu'il y a en bon soumission il y a en bon soumission il y a en bon autorité même s'il pas content li pa ka pale men gen des joueurs tout nous connaît potentiel yo y a parlé malgré si ba la pa bon pou yo y a parlé men gen des joueurs tout yo pa parlé en pile joueurs et comme réagit tant que Kevin De Bruyne mais si a parlé Raheem Sterling c'est mon qui était premier parlé comme joueur football Gérard Piqué et en pile monde parlé par rapport avec mouvement ça gen Zidane entraîneur équipe Real Madrid là pendant que Messi a participé dans la conférence pour la presse avant match et il a joué contre Cadiz là. Il a posé Messi la question qui ça le pensait de vraiment Super League là. Il dit que pour poser la question sur match rapide. Il dit pour Super League là, il y a une position parlée mais le pape dit le qu'on y a. Ça c'est Zidane qui a parlé. Il dit le pape dit ça le gagne pour Super League là qu'il y a mais il a posé la question sur match libre et contre Cadiz, c'est match qui plus intéressé et c'est sous ça le besoin lui-même répondre question. C'est Zidane qui a parlé et c'est comme ça bagaille. Mais en parlant de pendant on a parlé de Super League là tout et gagne équipe Real Madrid là selon les informations de vraiment journal allemand de Bild, il t'a fait quoi que David Alaba, lui déjà vraiment il déjà trouvé un accord ensemble avec un dirigeant équipe Real Madrid pour qu'il y ait des contrats de 5 ans ensemble avec l'équipe Real Madrid là pour que lui-même lui vienne jouer et dans l'équipe Real Madrid la saison qui vient là, il y a un contrat de 5 ans qui est évalué jusqu'à 2026 pour que monsieur lui-même lui est vraiment engagé ensemble avec l'équipe Real Madrid là. Tout bagaille qui est vraiment OK, il y a tant seulement officialisation et dossier David Alaba lui-même qui est vraiment est tout prêt là toute bagaille censé OK pour venir ensemble avec l'équipe Real Madrid dans saison qui venir là gagne Sergio Kun Aguero qui a annoncé avec toute famille que lui-même les paroles partant des saisons qui viennent c'est dans Barcelone pour que Messi a lui-même limolé talent en parlant de Sergio Kun Aguero et plus l'autre information selon équipe gagné ou bien Marca gagné Marca tout qui révélé information ça et ont parlé de Kylian Mbappé qui lui-même à la recherche d'une maison et à Madrid c'est ça et de pêche là Kylian Mbappé li à la recherche de yon maison ou bien yon caille dans ville Madrid de autant de ça ou qu'on ça veut dire c'est vraiment moun que Real Madrid a besoin et moun qui gen rêve li tout depuis le petit pour venir jouer dans l'équipe Real Madrid là mais Zidane qui pas parler de rien de Super League là ça veut dire Super League là pour le présent moment li chavirer monde football là mais gagne information qui t'a fait quoi que non jou k'ap vini yo la nan prochaine heure k'ap vini yo la capable gagnon comme capable d'une annulation totale de Super League là annulation totale là yo di FIFA a gagné et l'UEFA a gagné également Florentino Pérez a gagné également n'a pas l'eau pour qui ça yo di Florentino Pérez a gagné selon information li yo ta fait quoi que Florentino Pérez a te vinn avec dossier Super League là
et pour que les capables vraiment réclamer droit civil au niveau club pour qu'ils soient capables plus augmenter pour qu'ils soient capables plus augmenter droit civil pour que les clubs capables de joindre plus moyens. Eh bien si vraiment décision ça a fait, je dis que c'est pas c'est une opportunité pour club même ils ont augmenté des droits TV et ils ont augmenté des salaires Ligue des Champions qui a besoin plus ou moins augmenté. Pas oublier Super Ligue là, mais si non seulement ils ont fait moyen ils ont offert club qui a participé dans Super Ligue là, c'est moyen qui nettement différent et supérieur nous sommes capables de dire ça avec moyen ils ont bâillé dans Ligue des Champions. Yo. Ça veut dire c'est dossier ça et qui a parlé. On connaît le football. C'est l'argent, c'est contre ma contre yo. Et même monsieur a fait challenge pour yo dans qui mesure au moins gagne des bagages les au besoin yo, yo fait exigence en l'autre façon et pour yo même yo dans qui mesure yo même yo était capable d'augmenter salaire club yo et au niveau de la Ligue des Champions. C'est comme ça information lui même li tombé. Florent Antino Pérez est principal acteur et vraiment Super Ligue là et même messieurs jusqu'à maintenant la kembe tête est-ce que selon information qui tombait la FIFA qui parlait et l'IFA également qui parlait est-ce que Florent Antino Pérez lui-même l'a pas annulé vraiment Super League là mais n'a pas que après six clubs et anglais qui quittaient nous n'a pas que compétition ça li gain moins chance pour qu'il organise en l'occurrence en Super League là il gain moins chance pour l'organiser parce que gagne des clubs pas oublier. Par contre, format, il était réuni en format, est-ce que c'est pour être boycotter Ligue des Champions, pour être capable de plus comme vous? C'était une option ça, il n'y a pas un problème, mais si il n'y a pas une option ça, tout, mais le gars, il y a 6 Puerto Rico, club anglais, il y a même qui retire tête, yo, et il y a d'où, réellement, Atlético Madrid, ensemble avec l'équipe FC Barcelone, un dirigeant, il va penser soudainement là, pour y qui ça a fait, ça veut dire, et ouais, et Real Madrid, lui-même, il n'y a pas prend Super Ligue là pour coller, il va prendre pour coller et c'est des clubs qui gagnent plus moyen que yo t'ai réuni et Paris Saint-Germain qui pas d'accord lui-même depuis en l'air, Bayern de Munich qui pas d'accord, ça veut dire son bagage qui lui-même a bouleversé et monde footballistique là. Gérard Piqué nous dou, il fait intervention ni et grand pile joueur Lucas Vasquez qui lui-même like ou bien qui est vraiment content et tweeter Monsieur Elé et David Beckham non après le fin fait déclaration hein, et Monsieur ça yo même yo like ça veut dire yo t'a fait semblé quoi Monsieur ça yo pas parler mais yo un petit gens pour la déclaration de David Beckham Kevin De Bruyne tout qui était campé du Raheem Sterling qui dit OK bye bye après que le fin ouais Manchester City Liverpool toute équipe en Angleterre yo dé et vraiment existé et vraiment et ben Raheem Sterling qui tweeté vraiment sur compte Twitter il dit bye bye OK. Et c'est comme ça Raheem Sterling li doué. Grand pile moun qui analyse dossier ça yo dit que et Super League là c'est un dossier qui a dérangé football là et pas gagne compétition, pas gagne et vraiment et créativité, pas gagne moun qui envie long jeune joueur ouais Cristiano Ronaldo, ouais Lionel Andrés Messi, ouais et des moun a fait un pile profit au niveau de la Ligue des Champions, jeune nan même cap garder télévision, toute envie li c'est pour le faire bagaille Cristiano a fait. C'est pour le faire bagaille Lionel Andrés Messi a fait mais et avec une décision Super League ça, yo dit que c'est crasé football là. Arsène Wenger il était dans parler ça, il était dans dit ça depuis en 2009 mais si a été prévoit ça et vraiment gagne en pile gros Puerto Rico vraiment mon qui parlait et pour contre décision si là en tout cas et penser gagne des bagages qui a venu toujours gagne des informations qui a venu toujours et pour que et vraiment Super League là lui-même il donne l'autre orientation et mais si ça arrêtait comme ça c'est un danger pour monde footballistique là pour monde football là yo même pour les amants du ballon qui aiment le football yo qui aiment la compétition qui aiment la concurrence et me penser c'est vaillon coup dur pour football là et me ta souhaité monsieur yo renet yo quitter vraiment l'argent derrière pour que yo repenser pour football là parce que football là sont un jeu que en pile monde fixé sur lui le monde entier. Merci tout le monde. Bon, si on a croisé dans une prochaine vidéo, merci, ciao.